Salut tout le monde, c'est Eldezo et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro 15 si je me trompe pas de The Order. Donc on va se rendre au palais, donc le palais de l'ordre pour aller sauver son ami Nicolas, celui qui l'a sauvé lui-même. Et puis voilà, donc on va se lancer dans la quête en espérant que ça ne bug pas. C'est bon. Voilà, pour sauver une vie, donc celle de Nicolas. Vous partez déjà ? Davy. Vous vous souvenez donc de mon nom ? Je vous dois des explications. J'aurais dû vous faire confiance. Nous n'avons pas le temps pour les civilités. Vous avez l'air de chercher à vous faire tuer. Je dois régler ça, à tout prix. Bon, tenez. Oh, et revenez en un seul morceau. Ma reine semble vous apprécier particulièrement. Ah, donc elle n'est pas lesbienne. Rejoindre le labo de Tesla. C'est un fusil à pompe qui m'a filé ou quoi? C'est chiant, il y a mon joystick qui bug et je peux pas courir en permanence. Putain, je me rappelle d'ici. Ah! Attendez, il y a un petit truc ici. Une âme perdue retrouve son créateur. Je regardais hein, juste au cas où on pourrait ouvrir la porte. Nicolas, répondez. Je suis dans les catacombes, je vous rejoins. Messire Galahad, avez-vous perdu la tête? Ne venez pas par ici. Ne bougez pas, j'arrive bientôt. Qu'est-ce donc? On dirait qu'ils ont retracé toute la ville. Chelou. Putain, on reconnaît en plus. La grande rivière là de Londres, je ne me rappelle plus de son nom. Et Big Ben doit se trouver... Je pense que c'est en bas à gauche si je ne me trompe pas. Là où il y a les petits symboles rouges. Mais j'en suis pas sûr du tout. C'est pas comme si je connaissais Londres comme un boss aussi. 1819, on peut pas la bouger. Putain, c'est chiant ce joystick. Sweatshot qui t'a pris celui-là. Ça a pris. Pff, petit flingue. Ouais, allez, j'en ai pas. Il n'avait pas mieux lui. Ah, si. Je préfère ça. Moi. Apparemment, il va y avoir du monde vu la musique. Putain, mais je vais prendre ça parce que... Eh putain, j'ai changé d'arme. Ok, c'est pas triangle pour changer d'arme. Sérieux lui, je lui tire en plein dans la tronche. Attends, mais tire en rafale ou... Ouh, bordel. Badaboum.
Ah mais oui, tu en rafale. Ah et attends. Ah oui, c'est vrai que celui-là il fait ça. J'ai pas de grenade ni rien. Entre les deux yeux. Sympa. Je vois que dalle, j'aime pas cette vue. Ah merde, mais c'est que j'ai plus de balles. C'est chiant ça. Pour changer d'arme avec Trian. Une balle. Et merde. Ah, il veut pas ramasser les balles. Je vais prendre lui. Tiens, saloperie. Putain. Oh, je crois bien que c'est un fusil à pompe, je vais le garder. On va rigoler un peu. Donc là... Oh putain, des briques, je voulais construire la maison, c'est nickel. Il n'y a pas... Oh putain... Non, je suis désolé, oui je la veux la mitraillette, mais non. C'est même pas une mitraillette, c'est un fusil d'assaut, mais bon quand même. Là, ça... Je pourrais jamais en passer. Ah, des mules. Voilà. C'était des mines de... Ça c'est l'arme que j'avais tout à l'heure. Hop, voilà, nickel. Là je suis chargé à bloc. Messire Galahad, nous allons peut-être avoir un problème. Messire Lucan va bientôt arriver. Nicolas, vous devez partir d'ici, vite. N'ayez crainte mon ami. Je laisserai la communication ouverte de mon côté. Tout va bien se passer. Ne faites pas n'importe quoi, Nicolas. Quel beau paysage. Quelle grosse moustache. Ouf. Tiens. Putain, c'est limite on voit rien quand je tire. Trop puissant ce bordel. J'adore. C'est tout ce que j'aime. S'il y a rien, s'il va y avoir du people. Ouf. J'échange. Je prends. Ah mais c'est mon arme de par terre. Moi j'avais le petit flingue. Oh, ça c'est le... que ce soit le... celui que j'adore. Ça c'est le fusil, ouais. Voir juste. Revolver. C'est quoi ça alors? Je pensais que c'était celui-là mon revolver. Revolver dualiste. Ah voilà. Hop, on prend un peu de mun. On se remet sur la grosse. Électrofusil, nickel. Merde.
c'est bien fait ce truc avec la lumière et tout. Ce qui est génial, c'est que t'as limite pas besoin de viser, quoi. Non, ça les suit. Oh non! Vite, vite, vite! Cache-toi, 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 cache-toi! Oh la chance que j'ai eu là, pour le coup. Non, non, mais elles sont juste à côté de moi! Putain, mais ils sont protégés à mort! Oh là là, je me suis enfermé dans ce putain de couloir. J'ai pris trop cher. Putain, fais chier. Ils m'ont foutu misère, les cons. Donc moi, c'est celui-ci que je veux. Si je me trompe pas, c'est ça. Avec l'électrofusil, il est où? C'est pas ça. Il va me falloir des grenades, là. Vu ce que je viens de me prendre. La grenade. Électrofusil et des mines. Donc là, on va passer direct sur ça. Cadeau. Sérieux, j'en ai pas touché un seul. Bordel, mouille merde. Ça va pas toucher. Au minimum visé quand même. Déjà tout à l'heure, si j'étais resté ici. Oh putain, il y en a une autre derrière moi en plus. Faut que je reste là. Oh bah, faut pas que je les gaspille. Là. Ouh bordel. Lui avec sa termite là, faut que je l'explose. Avant qu'il m'explose. Et où? Putain, la caméra qui... Putain, il se fait cramer la gueule tout seul. Il sait même pas l'utiliser, donne-la moi. Bah c'est bon, je crois qu'il est à terre. Ouais non, il est là-bas. Il va faire plus. Crève. Merci. Merde. Elle est où la termite? Ça, c'est pas une termite, mais ça peut être sympa aussi. C'est l'électrofusil.
Voilà ce que je cherchais. Pas d'or moyen. Je suis désolé. Oh, je reconnais où. Ils sont cramés là. Tout a pris trop cher par contre. Putain mais... Merde. Ah mais j'étais déjà mort. Pff, fait chier quoi. T'as vu comment il crame. Pour arrêter les conneries. C'est bon. Est-ce qu'il y a des munes quelque part? Putain, fais chier, il va pas y en avoir. Putain, il y a un baril explosif là, il a même pas pété. Sérieusement. Beans. Allez monte. Pas de balles, rien. C'est l'air bon. Pourtant je t'ai pas pile poil dessus hein. Nicolas, qu'y a-t-il? Dame Lakshmi avait raison. Il savait. Je vous sors de là. Allez. Il est toujours là. C'est trop tard. On peut plus rien faire. Il me reste encore une chose à faire. Haha. Vas-y. Électro. Je savais que tu reviendrais.
sors de l'ombre, vermine ! Yeufroy. Toi et moi ne sommes pas si différents. Je fais le nécessaire pour protéger les miens. Nous luttons seulement pour pouvoir survivre. C'est un mensonge ! Un jour, peut-être, tu comprendras. Pardonne-moi, Grayson. J'aurais voulu une autre issue. Stylé. Merde. Fuck, je peux pas. Merde. Ah, pourtant j'ai fait. Ouais, tu vas quand même pas me faire croire qu'il a kiffé ça. Vas-y, tranche-lui la gorge. Des années à nos côtés. J'ai vu des choses que je suis condamné à ne pas oublier. Des civilisations nées et détruites par la cupidité de l'humanité. Des hommes pleins d'orgueil massacrant leurs frères au nom de prétendus dieux. Nous nous rachèterons le moment venu.
Mais comment peux-tu justifier les atrocités commises par Etienne ? Les miens ? Les miens ne sont pas pires que les tiens. Mais... Et ta sœur ? Et ton père ? C'était des mensonges ! Izzy, mon père... Je les ai aimés plus que tout ! Jamais ne pourront comprendre la malédiction que j'ai endurée. Mon fils... C'est à moi d'implorer ton pardon. Je n'ai jamais voulu cette vie pour toi. Vous saviez. J'ai toujours su. Je l'ai recueilli après le massacre de sa famille. Ton père a succombé à mon épée. Mais un enfant... Tu ne méritais pas un tel sort. Comment aurais-je pu prendre la vie d'un innocent ? Faites part de ces informations au Conseil. C'est le seul moyen de réparer les ravages qui ont été causés. Impossible ! Cette révélation déstabiliserait l'ordre de manière irréversible. Je dois être sacrifié. Combien devront encore mourir pour maintenir cette loi du silence ? C'est mon fils. Je ne peux être celui qui lui donne la mort. Isabeau et le Conseil ne doivent jamais savoir la vérité. Ou ceux qui vous sont chers périront. Ne me demandez pas ça. À présent, vous devez vous éloigner des autres chevaliers. L'ordre doit rester uni. Vous n'êtes plus l'un de ces héros. Finissez votre travail et partez. Les hommes n'étaient pas censés vivre cette vie. C'était badass. Pardon ? Tu te fous de ma gueule ? Il est fini là. J'y crois pas. On n'a même pas démantelé la... toute la compagnie, tous ceux qui sont complètement bousillés de l'intérieur. Putain, fait chier quoi, je pensais qu'on allait s'attaquer à l'ordre de... je sais plus comment là moi. Le chef quoi. Bon, peut-être qu'il y en aura un deuxième, hein, je sais pas, mais je trouve c'est bizarre que ça s'arrête sur ça quand même. Donc moi du coup je vais vous laisser sur ça, je vais vous laisser aussi tout... toute la fin là, les crédits. Il y aura une petite cinématique de fin, qui sait. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu. Moi je vous laisse. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde. Messire Galahad, Londres tout entier vous cherche. Nous devons nous hâter. Messire Galahad, vous m'entendez ? Messire Galahad. Calmez-vous, Nicolas. Tout va bien. Vous avez raison, mon ami.
le Conseil a décrété la loi martiale dans toute la ville. Il est impossible de dire quand les autorités décideront de passer à l'offensive. Il est trop tard pour chercher à jouer les héros. Je pense que nous devrions suivre Dame Lakshmi et quitter la ville. Je reviens très vite. Vous ne savez pas, je ne suis plus Galahad.